Bonsoir, merci de suivre ce 20h. Les titres, élection du 20 décembre, c'est le compte à rebours. La commission électorale nationale indépendante déploie les kits électoraux. Depuis la ville de Goma, on a embarqué ce 8 décembre des conteneurs à destination du Grand Katanga et de l'ex-province orientale. Et puis, sur ordre du chef de l'État, les éléments de la force de la East African Unity, la EAC, quittent le territoire congolais après le contingent kenyan. Ceux du Sud-Soudan viennent de regagner leur pays d'origine par l'aéroport international de Goma. Et enfin, ils vont mieux contribuer à lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Ces commissaires au compte, une centaine nouvellement nommés à l'initiative du Premier ministre. Ces experts viennent de suivre une formation de 3 jours pour de meilleurs résultats. Ce sont là les grands grande ligne et bienvenue à ce journal. Qu'il pleuve, qu'il vente, la population de Kamina a tenu à offrir à Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, l'accueil digne d'un chef d'État sous une pluie battante. Ces Congolais ont religieusement suivi le meeting du chef de l'État candidat à sa propre succession. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et c'est une belle marée humaine qui a témoigné son soutien à Félix Tshisekedi à Kalemie dans Tanganyika en campagne électorale. Le candidat numéro 20 leur a fait des promesses fermes et ces Congolais ont choisi de voter pour la consolidation des acquis du premier mandat de l'actuel chef de l'État. C'est vers 16 heures passées que le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de la province du Tanganyika à partir de l'aéroport national de Kalemie. Accueilli chaleureusement par la population mobilisée comme un seul homme, le candidat des Lions Sacrés, accompagné de sa chère épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République, a fait le pied du tarmac jusqu'au lieu du meeting dans une véritable marée humaine. Contrairement à toutes les attentes, la province du Tanganyika surprend. À la plage Kainda, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, a demandé à la population de voter pour lui pour un second mandat. Pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le deuxième quinquennat lui permettra de consolider les acquis, notamment l'électrification totale du pays, la desserte en eau potable, la construction et réhabilitation des infrastructures, la création des emplois pour les jeunes, la promotion de l'agriculture, vengeance du sol sur le sous-sol. Le président de la République, candidat numéro 20 à sa propre succession, a alerté son électorat contre les candidats à double face qui sont soutenus par les ennemis du Congo. Il a rappelé sa détermination à protéger le Congo et les Congolais. Au point culminant du meeting, la population a pris rendez-vous avec son candidat numéro 20 pour le 20 décembre prochain, afin de lui renouveler sa confiance. Partout où il a été dans le Grand Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et le ministre de la Communication Média étaient présents dans leur casquette de membres de l'Union Sacrée. La ville de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, ils veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous l'avez remarqué dans ces images, il accompagne le candidat numéro 20 en tournée électorale dans le Grand Katanga. Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, candidat député national à la FUNA. Nous l'avons joint au téléphone. Patrick Muyaya parle du déroulement de la campagne, de l'accueil et des messages forts délivrés sur place par Félix Tshisekedi. Le candidat numéro 20, comme nous on l'appelle le président, a effectivement entamé à partir du mardi soir une tournée dans le Grand Katanga. Le président n'a pas été qu'à Lubumbashi à Likasi, il a été à Lubumbashi, il a été à Likasi, il a été à Fungurume, il a été à Kolwezi, et hier nous avions fait Kamina et Kalemie. Ici, ce qu'il faut relever, c'est que c'est vraiment une conquête. Une conquête des cœurs au regard de l'accueil chaque fois massif dans tous les passages du président de la République. À Lubumbashi, la journée de mardi était presque totalement paralysée. Jusqu'à 22h, il y avait des milliers de Congolais à la place de la Poste qui sont venus écouter les discours du président de la République. Nous avons vécu les mêmes scènes de liesse et de joie à Likasi.
Nous avons été particulièrement marqués par ce qui s'est fait à Fungurume, Kolwezi, Kamina. Et hier, on a bouclé la boucle à Kalemie avec une procession qui s'est allée sur plus de 2 km. Plus de 50 000 personnes étaient mobilisées pour venir à la rencontre du président, finalement l'homme du peuple, hein, le numéro 20, pour écouter son discours. Alors, quels ont été les messages clés que le président de la République a partagé aux populations du Grand Katanga? L'un des messages clés sur lequel nous avons commencé, évidemment, c'est des messages d'unité. Parce que vous savez qu'ici, au Katanga, il y a des relents de certains, de relents tribaux, des gens qui entretiennent une forme de discours de haine. Le président a été particulièrement clair sur le sujet en disant que nous sommes tous les fils d'une même mère qui s'appelle la République démocratique du Congo et que pour rien au monde, nous devons commencer à nous déchirer. Ça, c'est un des messages clés qu'il faut retenir. Le président a évidemment fait les bilans du travail qui a été fait. Il est revenu sur sa gratuité, il est revenu sur la couverture santé universelle et il a promis qu'après sa réélection, la gratuité pourra être étendue. Évidemment, dans les autres territoires, comme quand on était à Fungurume ou à Likasi, le président a beaucoup parlé de la sous-traitance. Vous savez que nous sommes au Katanga, l'ex-Katanga, une province essentiellement minière. Il a beaucoup parlé du travail de l'agence de régulation de la sous-traitance et de la nécessité pour nous d'encadrer nos jeunes et leur permettre de devenir millionnaires, d'avoir accès à l'emploi. Avec les jeunes à Kolwezi, où il a été dans les mêmes esprits, il a parlé de tous les efforts qu'il a mis en place, notamment à travers le FOGEC et les différentes initiatives pour promouvoir les projets de jeunes. Il a demandé aux jeunes de compter sur lui et de travailler davantage avec lui, notamment dans l'implémentation de projets agricoles et des projets de tout type, parce qu'il faut commencer la construction du pays, les développements à la base. Et à Kolwezi, il a été particulièrement insistant sur les jeunes de l'UNAFEC et de l'UDPS qui devaient travailler sur les vivre ensemble. Le président, durant ses séjours, a eu aussi l'occasion de faire référence à M. Laurent-Désiré Kabila, parce que M. Laurent-Désiré Kabila, c'est celui qui nous a légué la phrase « ne jamais trahir le Congo ». Et le président est fermement engagé en cette dynamique de campagne où il y a évidemment un candidat de l'étranger soutenu par nos agresseurs et il a attiré l'attention de la population au niveau du Grand Katanga pour qu'on puisse barrer la route à tous ceux qui pensent pouvoir continuer à tirer profit de notre pays en sémant la terreur et la désolation en traitant des réseaux de corruption. En tout cas, nous pouvons dire au terme de ces séjours que la mission a été bien accomplie et ici, il faut rendre des hommages mérités au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui, je dois rappeler, à chaque fois avant que le président de la République prenne la parole, c'était lui qui prenait la parole pour l'introduire. Il a travaillé étroitement avec l'ambassadeur itinérant Danny Banza. Et tout ça, c'est pour vous donner une indication que le Grand Katanga, comme la Grande Orientale, comme le Grand Équateur, comme le Congo central, comme le Maniema, toutes les provinces où le président de la République est passé, c'est des provinces qui lui sont acquises. Et tous ont pris rendez-vous le 20 décembre pour voter le numéro 20. Et la prochaine étape de cette tournée de campagne? Nous quittons Kolwezi dans les minutes qui suivent pour Bukavu, où le président va entamer la grande tournée dans les parties est de la République démocratique du Congo. Là aussi, nous ne manquerons pas de revenir à vous pour vous faire les détails. Mais déjà, nous savons que Vital Kamerhe, qui se trouve sur place, et l'honorable sénateur Bahati Lukwebo ont déjà mis les petits pas dans les grands pour que les populations de cette partie du pays puissent pouvoir communier avec le président de la République, qui apparaît aujourd'hui être les seuls à même de consolider nos acquis, notamment dans notre stratégie de monter en puissance nos forces armées de la République démocratique du Congo et pour régler de manière définitive le problème d'insécurité dans l'est de la RDC. Kolwezi, Likasi, Kamina pour le Grand Katanga, ceux qui ont activement œuvré pour que cet accueil réservé à Félix Tshisekedi soit sans précédent parle ici, ils sont visiblement satisfaits. Le Grand Katanga nous a très bien accueillis. On le clôture aujourd'hui par la province du Tanganyika, la ville de Kalemie. On vient aujourd'hui même de Kamina et demain on sera dans le Grand Kivu. On entame le Grand Kivu avec le Sud Kivu dans la ville de Bukavu où nous avons, je crois, 3 jours. Donc jusqu'à présent, comme toujours dit, le périple se passe très bien. Partout où le président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, arrive, l'accueil est extraordinaire, formidable. Une communication parfaite avec son peuple, avec les électeurs. Et je crois que ça augure de bonnes choses pour le 20 décembre. Le numéro 20 sera voté massivement et ce sera la victoire pour nous. Des fois, nous voulons bien que les actes parlent, que les images parlent. Vous avez vu, le Tanganyika est acquise à la cause du numéro 20.
Et donc, le président Tshisekedi sera élu haut la main. Il y a des populistes qui viennent ici et qui trafiquent les images. Ce n'est pas notre cas. Nous, vous avez vu sur terrain que le président Tshisekedi est le mieux aimé et il sera le mieux élu dans le Tanganyika. Un autre candidat qui fait parler de lui dans ce journal, c'est le numéro 15, le docteur Denis Mukwege, qui a mobilisé du monde dans la ville de Kisangani. Son plan d'action, c'est la sécurisation de l'est du pays en priorité. C'est le mercredi 6 décembre que le candidat Denis Mukwege est arrivé dans la ville de Kisangani. Il était accueilli au pied de l'avion par les cadres du regroupement politique ACRN. De l'aéroport de Bangoka à la 18e rue Kabondo, le candidat numéro 15 était ovationné par les Boyomèses et Boyomais. La carnaval est parti du 18e rue route Tepe Kabondo en passant par le marché central à la Kis au rond-point du canot jusqu'à la place de la Grande Poste. Tout au long de ces 4 kilomètres, il était reçu chaleureusement par la population qui ne jurait que sur le numéro 15 à la tête de la République démocratique du Congo. À la tribune de la Grande Poste, Denis Mukwege a déclaré « Nous allons commencer les plans de paix en 2024 et nous devons dire trop, c'est trop. Nous devons nous prendre en charge. C'est possible que Kisangani devienne une ville de transformation agricole. » À la fin de son meeting, le docteur Denis Mukwege a accordé la parole au public qui lui a exposé les différents défis à la province de la Tshopo en général. Après cette communion avec le public, le candidat numéro 15 s'est dirigé au cimetière de la guerre des 6 jours qui a servi en 2000 entre les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani. Sur ces lieux, il s'est incliné sur la tombe des victimes en rappelant son combat sur la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Et c'est le compte à rebours qui commence. La Commission électorale nationale indépendante poursuit le déploiement des kits électoraux pour le vote du 20 décembre. Depuis la ville de Goma, on a embarqué ce 8 décembre des conteneurs à destination du Grand Katanga et de l'ex-province orientale. Des conteneurs de matériel qui seront utilisés le 20 décembre prochain pour les scrutins combinés ont été acheminés dans les Haut-Katanga et autres provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vendredi 8 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit de matériels qui seront placés dans les bureaux de vote provenant de Séoul, selon les services de la communication électorale nationale indépendante. À l'aéroport international de Goma, ces matériels ont été placés dans des cargos et d'autres acheminés à partir du port. La CENI est déterminée à tenir son chronogramme au regard de ces déploiements qui s'accélèrent. Et puis, les éléments de la force de la East African Community quittent progressivement le territoire congolais tel qu'exigé par le président de la République démocratique du Congo. Après le contingent kenyan, c'est le tour de Soudanais de prendre l'avion pour le Sud-Soudan sous la supervision du général Kaputa des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils étaient 280 au total à prendre l'avion. Et puis Rose Mutombo appelle la communauté internationale à se mobiliser pour mettre un terme à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie orientale. C'est lors de la 22e Assemblée des États partis au statut de Rome qui a bien vécu à New York aux États-Unis que ça s'est passé. La ministre d'État à la Justice y a représenté la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, par les truchements de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris part à la 22e session de l'Assemblée des États, partie au statut de Rome tenu à New York aux États-Unis. Dans son intervention à ces travaux, Rose Mutombo Kiese a signifié aux participants que la RDC est parmi les États partis qui ont cru aux idéaux de la justice et de la paix portés par la Cour pénale internationale. Pour démontrer son attachement aux valeurs de la justice et sa détermination à lutter contre l'impunité des auteurs de crimes graves, la République démocratique du Congo s'était distinguée
par l'adoption de lois qui ont modifié certaines dispositions de son droit pénal et judiciaire afin de le mettre en adéquation avec les statuts des Roms, particulièrement en ce qui concerne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre pour lesquels désormais les juridictions militaires appliquent directement les 10 statuts. La tribune de la 22e session des partis a été une opportunité pour le patron de la justice congolaise de lancer un appel à la communauté internationale de mettre un terme à l'agression de la RDC victime dans sa partie est. La partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violations graves et systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les conséquences dramatiques sur le plan humanitaire du mouvement terroriste dénommé M23, dicté par la nécessité de mettre fin à l'impunité de ces crimes, la République démocratique du Congo a diligenté au cours du mois de mai 2023 une plainte à la Cour pénale internationale contre les auteurs de ces crimes, parmi lesquels se trouvent les officiers et militaires rwandais. La ministre de la Justice est partie des États-Unis avec la conviction que son message a été capté. Dans l'entretemps, la RDC offre sa disponibilité à coopérer étroitement avec la CPI pour faire triompher la justice. Et toujours au chapitre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature a convié à Kinshasa le premier président des cours d'appel, greffier en chef et principaux, pour un atelier sur le management et la gouvernance des juridictions. Dans ce reportage, Didi Tchala, les explications du président de cet organe. Renforcer les capacités managériales des premiers présidents des cours d'appel et des greffiers dans la gestion des cours, tribunaux et des greffes. C'est l'objectif poursuivi par cet atelier sur le management des institutions judiciaires et des greffes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la justice en cours en République démocratique du Congo. Pour le premier président de la Cour de cassation, c'est un objectif noble. Cet atelier est organisé pour dire que vous devez vous ressaisir et vous considérer à juste titre que vous êtes de vrais gestionnaires, de vrais managers, non seulement de l'activité judiciaire, mais aussi et surtout de plusieurs autres domaines connexes. Ces travaux qui interviennent à la veille des scrutins est une interpellation sur le rôle que devront jouer les premiers présidents des cours d'appel et les greffiers dans le processus électoral, a tenu à insister Dieudonné Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier président parlait des élections qui arrivent. Mais c'est en ce moment-là qu'on peut vivre beaucoup de clientélisme. Comment ces gens-là peuvent respecter le pouvoir judiciaire si le pouvoir judiciaire se comporte comme un vassal? Un greffier, une greffière, ce sont des hommes et des femmes d'État. Ces échanges s'articulent autour des quatre points majeurs, à savoir la gestion du personnel judiciaire, l'organisation et le fonctionnement des juridictions, la gestion du patrimoine des institutions judiciaires ainsi que le budget. Une initiative du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le séminaire de renforcement de capacité des commissaires aux comptes organisé durant 3 jours à l'IGF. Ils sont nouvellement nommés et il fallait donc mieux les outiller. Pascal Gaspal Ngonda, le directeur de cabinet du Premier ministre, a présidé la cérémonie de clôture de cette session, je voulais dire, un reportage de Suzy Ngoy. Les nouveaux commissaires aux comptes connaissent désormais ce qu'ils doivent faire pour assurer et maintenir les bonnes pratiques dont la gestion des établissements publics. Organisé par la Primature, en collaboration avec l'Inspection générale des finances et l'Ordre national des experts comptables, le séminaire de renforcement de capacité a privilégié les échanges d'informations et de connaissances. Ces mandataires ont été outillés sur la documentation des travaux des commissariats aux comptes, la contribution de l'Ordre national des experts comptables et du commissariat aux comptes à la gouvernance des établissements publics présenté par le professeur Jean-Pierre Mpfingo. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguété, s'est plus attelé sur les attentes du gouvernement à l'implémentation de la bonne gouvernance dans les établissements publics, exercer la mission de surveillance de la situation financière.
Le directeur du cabinet du Premier ministre, Paul Gaspard Ngondankoï, qui a clôturé les travaux, a rappelé le rôle du commissariat au compte qui est différent de celui de l'inspection générale des finances. Vous êtes en première ligne du contrôle de la gestion des opérations financières dans les établissements publics. Ne laissez pas cette compétence à l'inspection générale des finances. Désormais, l'inspection générale des finances viendra vous épauler avec ses missions d'enquête, avec les experts qu'il a, lorsque vous n'avez pas pu déceler un certain nombre d'irrégularités dans la gestion des finances. C'est pour cette raison qu'il y a un travail d'harmonisation qui va arriver au niveau du cadre légal pour éviter le chevauchement des compétences, pour qu'il y ait plus de complémentarité entre les différentes institutions de contrôle des finances publiques. Les participants se sont dit prêts à accompagner le gouvernement dans la bonne gestion. On nous a mis à disposition les textes qui régissent les établissements publics, des textes ou documents qui reprennent les attentes du gouvernement. Personnellement, ça sera déjà de pouvoir découvrir un peu plus le secteur public et de comprendre cet environnement après installation, commencer le travail concret de l'expert comptable. Les représentants de l'ONEC et de la NEP ont, quant à eux, exhorté les nouveaux commissaires aux comptes à pérenniser les acquis de la bonne gouvernance. 750 millions de dollars américains, c'est la somme que compte mobiliser l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques pour financer les projets de desserte en électricité à travers le pays. La délégation d'experts congolais a lancé un appel auprès des différents partenaires depuis Dubaï lors de la COP28. Patricia Ungu, René Ngwangu. Le taux d'électrification dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo est estimé à 1%. Pour augmenter ces pourcentages, l'Agence nationale de l'électrification et services énergétiques en milieux ruraux et périurbains compte mobiliser d'ici 2025 750 millions de dollars américains. Ces fonds vont servir à financer environ 200 projets de dessert en électricité à travers le pays. Un programme ambitieux présenté à la COP28 par les directeurs généraux adjoints de l'ACER. Nous avons en tout cas un portage politique appuyé par le chef de l'État pour pouvoir construire des centrales solaires et hydroélectriques dans les zones rurales et périurbaines et surtout aussi stimuler le secteur privé en ramenant des investissements, mais en amenant aussi les secteurs privés à s'impliquer dans l'électrification des zones rurales. Et nous, on les appuie aussi avec l'outil que nous avons, que nous appelons le Fonds Mwinda, qui nous aide alors à subventionner pour les motiver à venir aussi travailler dans les zones rurales et périurbaines. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dire comment électrifier chaque territoire. Nous avons 145 territoires et chaque territoire est différent l'un de l'autre. Mais nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire, pour tel territoire, voici la stratégie d'électrification, donc sur le plan planification. La deuxième chose, c'est notre programme d'investissement prioritaire. Nous avons 270 projets matures et 49 sont déjà en cours. D'après Damien Twambilangana, son appel au financement a trouvé du répondant auprès de plusieurs partenaires du secteur privé qui ont manifesté l'intérêt d'investir dans les énergies renouvelables en RDC, pays solution pour une transition énergétique. Et puis cet échange d'expériences sur les innovations technologiques des pays africains, il s'agit de la conférence internationale sur les start-up africains. Le ministre congolais des petites et moyennes entreprises y a pris part. Dada Chabani. L'innovation pour le développement du start-up du continent africain, c'est là le thème de la conférence internationale sur les start-up africains qui s'est tenue en Égypte. À cette rencontre internationale qui a connu la participation de près de 200 experts et une centaine de ministres et des décideurs africains, la République démocratique du Congo était représentée par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Ndinga Birianze. Cette innovation technologique pour le développement du continent africain vise à donner plus de visibilité aux startups africains et également permettre aux décideurs africains de s'enquérir de tout ce qui se passe dans les autres pays du continent, d'échanger d'expériences et de signer des accords de coopération dans ces domaines. Trois jours durant, la réunion des ministres africains en charge de l'innovation et des startups avait pour finalité de concrétiser les décisions adoptées par les participants à cette réunion de 2023 à la réunion de 2022. Il y avait entre autres la création d'un fonds africain des startups ou encore l'adoption d'une stratégie africaine uniforme, question de réduire la fuite des cerveaux et de cimenter les talents africains.
En marge de ces assises de l'édition 2023, il y a eu un salon et les panels qui ont débattu de plusieurs sujets liés aux startups et de l'innovation dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de cybersécurité, de l'éducation, pour ne citer que cela. En marge de cette conférence, il s'est tenu le concours africain dans les domaines de l'intelligentsia pour le développement durable et un concours dans les domaines des cyber-robotiques. Et à l'approche de la date fatidique du 20 décembre 2023, ici, il est question de la formation des observateurs électoraux, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Pendant 3 jours, 7 catégories de personnes représentant tous les continents seront outillées et capables de participer comme observateurs internationaux à l'élection présidentielle tenue en Égypte du dimanche 10 au mardi 12 décembre de cette année en cours. Cela grâce à Math for Peace Development and Human Rights et la coalition Narasa, ces organisations internationales qui militent pour les droits de l'homme. Moïse Balagizi, représentant permanent de la République démocratique du Congo au Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, a lui aussi participé à ces travaux. La République démocratique du Congo et l'Égypte entretiennent de bonnes relations. Et c'est dans ce cadre que l'organisation MAT pour la paix nous a conviés à cette mission importante d'observation des élections présidentielles en vue de crédibiliser le processus électoral de l'Égypte et s'assurer que les élections se tiennent conformément aux standards et aux principes démocratiques, mais également s'assurer que ces élections se tiennent avec la transparence la plus totale et la crédibilité. Notons que la collaboration entre l'Égypte et la République démocratique du Congo date de longtemps. Et cette fois-ci, dans le processus électoral égyptien, les Congolais du pays de Félix-Antoine Tshisekedi vont eux aussi participer comme observateurs internationaux dans ce processus électoral. Nous avons donc rouvert la rubrique élection de ce journal. Notez que la campagne porte à porte pour faire élire le candidat numéro 20, c'est la team 20 qui l'amène, équipe de campagne de Félix Tshisekedi. C'est par le canal de sa chargée de volontaires qui a lancé cette approche de proximité dans le district de la Tchango. Fifi Mukundi. Affiche, spots et autres objets des campagnes, tous ces détails mis en contribution pour assurer la visibilité des candidats président Félix-Antoine Tshisekedi. L'équipe de coordination de la campagne du candidat numéro 20 dans les districts de la Tchangou ajoute la sensibilisation porte à porte. C'est la chargée de la commission des volontaires de la team 20, Chantal Yé-Lomoulop, qui a lancé cette campagne de proximité. Question d'atteindre un bon nombre de lecteurs. Dans cette démarche, la team 20 de ces coins de la capitale procède à la distribution individuelle des dépliants avec mention numéro 20 et à l'effigie de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cela s'ajoute un bref échange de vive voix sur les acquis du candidat président ticket de l'Union sacrée. Faisant d'une pierre deux coups, la team 20 a expliqué les bien fondés d'accorder une majorité parlementaire au candidat numéro 20, d'où la nécessité de voter aussi massivement ses collaborateurs, candidats à tous les niveaux. Nous avons compris que la stratégie de proximité touche le peuple. En même temps, nous prenons les revendications du peuple et nous leur transmettons les messages de l'espoir, les messages d'avenir autour de cette dynamique politique qui se fait derrière les candidats numéro 20 et les numéros 190. À Tchangou, il y a un ticket gagnant. C'est le numéro 20 et le numéro 190 et le numéro 30 au niveau des provinciales. Cette campagne de proximité qui débute en Tselé concerne toutes les 5 communes du district de la Tchango. Lui également mobilise pour le candidat numéro 20, Atou Matubwana, ancien gouverneur du Congo central, candidat député national, a mobilisé des foules au Congo central pour une victoire voulue certaine. Aux âmes bien-nées, la valeur n'entend point le nombre d'années, dit-on. Ingeta, c'est le nouveau parti politique dont le fondateur s'appelle Atou Matubwana Nkuluki. Un nom
une valeur, un symbole pour son engagement à la défense de la patrie. L'ancien gouverneur du Congo central a su conquérir l'adhésion massive de la population de sa province de par les actions menées en son temps. Cette reconnaissance se matérialise encore davantage pendant cette période de campagne électorale. Qui sont tous? Première escale spontanée à la cité Ntsélé. La population a arrêté net son cortège pour communier avec son leader. Mbanza Ngungu, son fief électoral. Cet électorat qu'avait réclamé à corps et à cri au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire revenir Atou Matubwana à la tête de la province du Congo central. Nazongisa Atou. Mais wana, wana ezali binomoko, etali binomoko. Soki bo voteye ebele. Mbanza Ngungu s'est encore mobilisé quelques jours après pour réserver un accueil délirant, mieux un accueil féerique au numéro 1 du parti Ingeta pour le lancement de sa campagne électorale. Le candidat numéro 58 à la députation nationale et 96 à la députation provinciale a exhorté la population de Mbanza Ngungu à opérer un choix judicieux le 20 décembre 2023. Voter pour lui à la députation nationale et provinciale et à l'élection présidentielle, voter pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chansons et danses étaient au rendez-vous pour créer une proximité à la fois géographique et psychologique entre président du parti politique Ingeta, Atou Matubwana, et son électorat dans cette partie de la province du Congo central. Avant de nous quitter, il y a cette annonce, les réformes pour digitaliser les opérations à l'importation, à l'exportation ont un succès à travers le système douanier automatisé Sidonia World. Cependant, d'intenses travaux sont envisagés à partir de ce vendredi 18h, heure de Kinshasa et la journée du samedi 9 décembre 2023. Le directeur général Baouna Mabolia, Jean-Louis, chargé des questions techniques à la DGDA, qui livre cette information à l'opinion. Présente les excuses de l'administration douanière congolaise pour les perturbations qui n'ont qu'un seul objectif de rendre plus performant Sidonia World. Voilà. Ce journal est terminé. Bobette Inga la coordonnée, retrouvée à 23h Gaëtan Magalano, à 7h Rudis Kitutu. Bonsoir.